Je m'excuse. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Je ne suis qu'une bête. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif, ça n'a aucun sens. Je me soumets à ta grandeur, ô peuple élu parmi les peuples. Pardonne à la bête, mes respects. Merci de m'avoir épargné. D'accord. Salut. Tiens, tu peux te le mettre derrière. Ouais. Non, mais un jour, je serai libre, de toute façon. Connerie de pensée unique, je te jure. Ah, mais il y a tous mes co-détenus qui sont là, ça va? Jusqu'ici, à Montréal, ça va, les gars? C'est dur, hein, c'est dur. Bah, ouais. Ouais, c'est clair, aujourd'hui, c'est dur. Hein. Aujourd'hui, t'en prends plein la gueule pour pas un rond, puis tu fermes ta gueule, et puis c'est tout. Hein. Hein? D'ailleurs, ferme ta gueule, tiens, comme ça, ça. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est comme ça, hein. Moi, dans la rue, les gens viennent me voir à Paris, c'est fou, hein. C'est dur, Dieu donné, c'est dur. Je dis, oui, mais ça va, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ah, c'est dur, viens, alors arrête-moi, écoute, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, guide-nous vers la lumière, il y en a qui me disent. Il est hors de question que je te dis guide ou que ce soit, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je croisais une femme à l'aéroport avant de partir, elle me tire comme ça, non, arrêtez, madame. Mais oui, mais c'est propre, c'est à moi, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, oui, Dieu donné, c'est dur. Oui, madame, je sais, beaucoup de gens pensent ça. Oui, mais on dort, on bouffe, on vote, mais il y a comme un arrière-goût de pisse, elle me dit. Ah, mais d'accord. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je suis pour rien, moi. Moi, je suis un irresponsable, hein, je veux dire, professionnel, attention. Hein. Oh, non, 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 moi, je lui ai dit, laissez-moi tranquille. Hein. De toute façon, à partir de maintenant, c'est fini, je ferme ma gueule. Attends, ça va. Oh, non, non, j'ai décidé de repositionner complètement mon image. Ouais. À partir de maintenant, je vais zouker. Hey, la musique, musique. Hey, t'as vu ça, regarde ça. Hey, mais gars, j'ai ça dans le sang. Non, mais c'est vrai, j'ai ça dans le sang. Hein. Hey, ça, c'est bien. Puis ça, c'est bien. Ça, j'ai le droit de le faire, ça. Hey. Ah, bah avec ça, t'as pas d'emmerdement, hein, avec ton courage. Hein. Ah, bah c'est clair. Un négro qui danse, c'est bien vu. Si je continue même à 80 ans, ils vont me donner la Légion d'honneur, tu verras. Ouais, comme Henri Salvador ou Marius Fraser, toute l'équipe. Non, mais c'est fini, j'ai fait le con. Hein. Non, j'ai fait le con, tu le dis, puis c'est tout. Hein. Là, je suis là pour vous amuser. Maintenant, ça va être du gag. Tiens, écoute celui-là. Génial ! Ça, c'est marrant. Hein, c'est super, hein, t'aimes ça ? Il y en a dans tout le spectacle, t'inquiète pas. Ah, il y en a une heure et demie de paix. Amenez vos gosses la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Ah non, mais j'ai compris la leçon, attends. Même ici, j'arrive ici, les gars, déjà sous surveillance, ça va, merde. Non, non, ils ont mal lynché comme la dernière des crevures, hein. Ils m'ont traîné dans la boue, c'est dingue, hein. Non, c'est vrai qu'après ce qui m'est arrivé, j'aurais pu glisser dans le larmoyant, me répandre dans la pleurniche, tu sais, pardon, excusez-moi. 4000 ans de persécution, quand même. Non, ça, on n'a pas le droit. C'est... Non. Ça, on n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Surtout dans le climat actuel, faut essayer de pas mettre de l'huile sur le feu. Donc, hein, moi, je suis taquin, mais je suis pas kamikaze. Attends, j'ai des gosses. Hein. Oh non, arrêtez les conneries, ça va, les gens. Moi, j'ai décidé de bosser pour ma retraite, maintenant. J'ai une grande carrière qui m'attend dans le show business, tu vas voir. Une belle carrière de foutu, t'inquiète pas, j'ai compris comment ça marche. À moi les Molières, à moi les Césars, à moi les Sept d'Or. Bouge pas. Ah non, j'ai eu chaud au Miquette, et là je fais le mariole, je sors les trompettes, mais il y a 6 mois, tu n'entendais moins ma grande gueule, crois-moi, hein, j'étais... J'ai cru à un moment donné qu'on se reverrait plus avec le public. Ah si. Ben si, je sais ce que je dis. Il dit non, l'autre, je sais ce que je dis. Je te dis que j'ai bien cru que je ne reverrai plus le public. Je sais pas si, mais ici, déjà, quand je suis arrivé, ils me font chier, mais en France, j'ai été rossé comme la dernière des crevures. Hein. Ils m'ont laissé pour mort, d'ailleurs. Ah, si. Mais dans merde, j'ai fait le mort.
Ouais, j'ai fait l'émission, tu sais, j'ai fait un sketch sur un colon israélien. J'ai bien vu que ça plaisait pas à tout le monde. Alors à la fin du sketch, je suis tombé, j'étais mort. J'ai attendu la fin de l'émission, puis j'ai rampé, tu sais, comme une larve, jusqu'à la sortie. Enfin, faut de la guerre. Bon, c'est pour ça, là, je fais mon comeback discretos. Là, je commence par le Canada, là. Ouais, tout en souplesse, attends. Ouais, je reviens gentiment à la sournoise. Hein, comme un cancer après les chimios. Gentiment, et alors, qui ça peut foutre? Oh non, 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 non. Oh putain, j'ai été traîné vraiment comme de la merde. Oh. Pour ça, j'ai même à un moment donné, je me suis dit, je vais me faire refaire la gueule. Non, mais j'en étais là, mais j'étais arrivé là, t'es marrant, toi. Ils sont marrants, les gens. À un moment donné, j'avais plus le choix. Si je poussais plus loin la plaisanterie, ils étaient capables de rétablir la peine de mort rien que pour ma face. Ils rigolaient pas, Raffarin, Chirac, Père Ben, tous les... Ils sont tous montés au créneau. Mais c'était un sketch. Ah, mais ça va, oh. Parce que le problème, c'est que dès que vous touchez un petit peu à... Hein, ouais, je regarde, je sais pas, on sait jamais. Quand même. Ouais, ben ça arrivera par derrière, de toute façon, c'est le genre. Donc... Oh, mais j'ai pas peur de dire ce que je pense. Hein. C'est vrai que dès que vous touchez un petit peu à Israël, bon, ben là, t'es parti pour un tour de grand 8. Hein. Moi, à mon niveau, j'ai dansé la polka pendant 3 mois. Hein. Accroche-toi à Jalot, puis le vent souffle, et puis il va dire, faut tenir la barre. Hein. J'étais devenu l'axe du mal à moi tout seul, à un moment donné. Non, 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 j'étais le con. Parce que c'est le problème, c'est que devant Israël, ils baissent tous plus ou moins leur froc. Bon, bah, c'est le deuxième fabricant d'armes du monde. Hein. Les gens ont peur, certainement. Hein. Ça doit jouer, ça doit jouer. Hein. Non, non, mais j'arrête. Là. Non, 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 là, je sais pas, je vais avoir des emmerdes. J'ai été un fusible de l'État, hein. J'ai bien vu, Chirac, il m'a lâché. Hein. Et non, tu vas trop loin, dégage. C'est clair. Hein. Comme Jean Moulin, pareil. Mon affaire, ça a été l'affaire Dreyfus, si tu regardes bien. Bah si, c'est ce que je dis. Si tu regardes, si. Si, Dreyfus, si tu veux, M apostrophe. Pourquoi pas. Dieu donné Dreyfus, c'est possible. Bah lui aussi, d'ailleurs, était d'origine camerounaise, Dreyfus. Si. Non, mais tais-toi, tu ne sais pas ce que je veux dire. Dreyfus, je te dis, était d'origine camerounaise. Oui, sa mère, voilà. La mère avait des origines juives, oui, ou bretonnes, je sais pas. Mais le père, moi, je te parle. Le père avait un ami camerounais. Et le camerounisme, hein, contrairement au judaïsme, se transmet par l'ami du père. Les gens ne savent pas, ça. Non, non, mais c'est vrai, là, j'ai fait le mariole, mais là, j'arrête les conneries. Non, non, à un moment donné, c'est tout juste s'ils m'ont pas collé les attentats de Madrid sur le dos. Hein. Ah, mais j'avais un alibi, j'étais obligé. Hein. Ils m'ont mis au même niveau. À un moment donné, dans la presse française, j'étais au même niveau que Bertrand Cantat. Tu sais, le mec de Trintignant. Si, je te promets. Mais j'ai eu peur qu'il m'envoie à Vilnius. J'ai dit, attendez, les gars... Et Cantat, c'est quand même dans un registre moins burlesque, il me semble. Lui, c'est christique. Bon, bah, elle a tendu la joue droite, donne, tac, la messe est donnée. Hein, mais... non, c'est pas drôle, c'est pour ça, ne ris pas, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est vrai, Cantat, c'est triste. Hein, bon. En plus, il a payé, hein, il a payé sa dette. Hein, bon. En plus, c'est une certaine façon de se faire connaître aussi, t'es marrante. Mais quoi, t'as essayé de vendre des disques de rock avant d'ouvrir ta gueule? Ah non, mais il m'énerve! Je veux dire, il est temps, je veux dire, quand tu vends des... Il faut trouver des combines, à un moment donné, quand t'as pas accès à la télé. Hein? Ah oui, autrement, tu fais... Oui, autrement, tu passes à la grande distribution, tu fais du Bruel. Bah, vas-y! De la merde en barquette pour jeune pucelle décérébrée, vas-y! Hein, rien de ta tête! Alors! Attends, mais Bruel, ça passe à tous les coups, hein. Une bonne promo télé derrière... Peu de poillons, tu passes les fêtes à l'île Maurice, hein, comme on dit dans le métier. Hein. Maurice. Ouais, c'est son prénom, hein, Bruel, arrête avec ça. Oui, c'est vrai qu'il s'appelle Maurice, il a changé de prénom, ça fait plus gaulois, puis ça fait plus chanteur de charme. C'est vrai, moi j'ai voulu, moi je me suis dit, un jour je vais faire plus gaulois.
Et je voulais m'appeler Jean-Jacques. Jean-Jacques ! Ouais, j'aime bien, je trouvais que c'était... Mais Jean-Jacques Mbala, tu vois, ça change rien. Moi, mes origines, je peux pas la retirer de ma face, tu vois, je peux pas esquiver, il n'y a pas moyen de... Pour ça que... Moi, au niveau de ma stratégie de com, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais plus accès à la télévision. Qu'est-ce que j'ai fait? Technique du chapeau mou. Hein? Tu vas dans un magasin de farce et attrape, t'achètes un chapeau mou. Hein? Ça, c'est des conseils que je donne aux jeunes humoristes, ça. Hein? Bon, t'achètes ça... Quoi? Oh là là! 20 euros, ça va? Hein, regarde, avec les petites galettes qui vont avec. C'est dans un magasin de farce et attrape, j'ai acheté ça. Bon, là-dessus, faut quand même pondre deux, trois petites vannes, un petit peu, quand même. Hein. Et puis, c'est le strike. Vous avez vu l'impact du sketch? Ah, jusqu'à United States of America, on en a parlé. Enfin, c'est vrai, hein, on a parlé dans Herald Tribune et tout. Ah, Dieudonné, comme quoi j'étais une merde internationale. Ça fait plaisir, j'ai montré à ma mère. Elle dit, t'as vu? Ah, non, dis donc, il râle très peu. Hein, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, rien, rien, j'ai dit, c'est autre chose. Ah, et puis en Israël, bon, ben là, je suis devenu une véritable star. Hein. Bon, j'irai pas en tournée cette année, parce que c'est une question de planning. Non, mais là où ça a merdé, c'est Fogiel. Fogiel, c'est l'animateur de télé, tu sais. Et l'autre, il s'est marré pendant le spectacle, pendant le sketch, et puis après, il nous a fait une descente d'Oriane en direct. Il nous a fait sa petite shot, il est tout dans les chaussettes. Alors moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il... Tu sais, c'est... Ah, c'est l'équipe technique, ça, les gens regardent. Mais pourquoi il y a une cache? Non, non, mais ouvrez, les gars, vous cachez pas. Ils se cachent, les mecs. Allez, c'est la régie, c'est la régie. C'est les régisseurs du spectacle, ouais. S'occupe de la son et lumière, ça. Non, mais ouais, c'est des intermittents du spectacle. Hein, vous avez jamais vu? C'est ça, c'est ça. Et prenez des photos, si vous voulez. Ouais. Par contre, vous ne leur jetez pas à bouffer hein, des bouts de pain, des machins comme ça. Non, c'est un régime particulier, attention. Ouais. Ben là, on est obligé de les mettre dans la salle, parce que normalement, ils sont... Non, je veux dire, sur scène, normalement, ils sont dans la salle, les intermittents, comme ça. Mais là, on est obligé parce que ça devenait trop dangereux. Hein. La menace sioniste. Et soldats de l'autre vieille connasse de Yahvé qu'on a au Miquette, là, depuis du mois de janvier. Ah, ils sont méchants, les gars. Sur Paris, ils sont méchants. Ils ont blessé des gens dans le public. Hein. Moi, j'ai joué à Lyon, là, je sais pas si vous êtes pas au courant, mais ils sont venus, ils sont rentrés. J'étais 150, là, des mecs. Et qu'est-ce qui se passe? Eh, hey, t'as le nez droit! Oui, c'est moi, mais qui êtes-vous? Eh, on comprend pas ce que vous dites. Mais c'est quoi le projet? Votre projet, c'est quoi? Les gars, ils... Ah, ils étaient énervés, toi, parce qu'ils s'attendaient pas à cette question, le mec. Alors, ils se sont regardés, ils étaient deux, ils avaient un copain à lui. Hein. Et puis j'ai vu, je voyais bien qu'il se faisait du mal. J'ai dit, non mais arrête, je vais te poser la question à quelqu'un d'autre. Puis là, il en avait marre, alors il s'est retourné, il avait fabriqué une petite bombe artisanale, là, bon, chez lui, et puis il l'a jetée sur une petite fille. Une Marocaine. Bon. Ouais, assis. En France, t'as droit. Sur une Marocaine, t'as droit, tout le monde s'en fout. Bon, faut le savoir, hein, c'est tout, voilà. Faut vivre avec son époque, faut pas se bloquer, faut essayer de... Ben non, c'est ça, faut rigoler. Ah, le danger aujourd'hui, faut vivre avec, hein, je veux dire, ça n'arrête pas, les alertes à la bombe, les machins, c'est ça aujourd'hui, hein. C'est l'époque, je veux dire, c'est... Ben c'est ça, et puis les sionistes sont très nerveux en ce moment. Vous avez vu le Cheikh Yassine, comment ils s'en sont débarrassés, les gars? 3 missiles à tête chercheuse sur un petit handicapé en fauteuil roulant. Et... Non, mais c'est pas sportif. Non, mais je veux dire, c'est pas sportif, c'est pas l'esprit Coubertin. Je veux dire, attends, le gars... Eh, j'ai pas dit que l'autre, c'était Mère Teresa, attention.
Quoique avec son petit fichu, ouais, il lui ressemblait un peu, c'est vrai. Mais... Non, non, faut calmer le jeu, là. Au niveau des droits de l'homme, ils sont quand même limites, hein, parfois, là-bas, les gars, mais ils s'en foutent. Hein. De toute façon, elles prennent du sionisme, c'est qu'il est excessif. Moi, j'essaye de discuter. Alors, ici, ils ont l'air de vouloir parler. Mais alors, le problème, à Paris, tu peux pas discuter. Toi, j'ai essayé une fois... Mais calme-toi. Ah, non, pas avec toi. Oui, mais c'est pas moi qui est venu te chercher. Non. C'est à moi. Mais qu'est-ce qu'il y a à toi? J'ai quand même le droit de marcher, là, quand même. Non, c'est à moi. J'ai un tour promis, c'est à moi. Comment ça? Ah mais je lui dis, non, mais qui t'a promis ça déjà? Mais non, il a un problème. Il a un problème. Tu peux pas discuter. Tu peux... Moi, j'ai essayé de parler tout pour sa gueule. Il veut pas partager, le gars. Sous prétexte que Pépé et Mémé en ont chié, il veut faire chier la terre entière. Non, mais je lui dis, non, mais attends, mais moi aussi, Pépé et Mémé, ils en ont chié. Ça va, merde. Oh, je m'énerve, là, dis donc. Non, mais là, je fais le mariole parce que je suis loin de la France. Ici, ça a l'air plus détendu, mais... Moi, je sais pas ce qu'il me réserve. Hein. Les renseignements généraux parlent en France d'une bombe à fragmentation qui voudrait me lâcher sur la gueule. Hein. Peut-être ce soir, d'ailleurs. Non, non, arrête, c'est une blague. Arrête, Jackie. Oui, mais c'est pas parce que t'es sur scène qu'il faut faire des effets comiques. C'est moi, il y a peut-être des gens cardiaques dans la salle. On vient de téléphoner, là, il faut faire évacuer la salle. Mais arrête tes conneries, quoi, il faut faire évacuer la salle? On vient de m'appeler, là. Écoute, si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût, Jackie. Hein. C'est pas une plaisanterie, on vient de m'appeler. Voilà. Oui, mais je veux dire, qui t'appelle sur ton portable? Quelqu'un. Bon, ben, regardez sous votre siège, il n'y a pas une bombe, ce serait quoi comme bombe? C'est une bombe quoi? Ils ont dit une bombe. Bon, ben, regardez, bon... Si vous voyez une bombe, vous vous couchez dessus, puis c'est tout. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, t'auras pas le temps de sortir. Alors, le mieux, c'est que ça soit un invité qui se couche sur la bombe, par contre. Hein? Eh oui, quand même, un payant, c'est chiant. Le gars, il paye déjà, attends. Non, aujourd'hui, je veux dire, faut apprendre à vivre avec la mort. Hein. Tu vois les attentats partout. Aujourd'hui, c'est clair, hein, c'est les poches. Hein. Ou alors, faut être philosophe, comme dirait mon collègue humoriste BHL. Bernard-Henri Lévy, quoi, ça veut dire. C'est un philosophe français, un milliardaire. Ouais. Il est marrant. Et il a appelé au boycott de mon spectacle au début de l'année. Au début de l'année, c'est un mec qui fait des vœux, toi, dans les journaux. Je voudrais ça, je veux la paix dans le monde, mon cul sur la commode. Et après, que personne n'aille voir le spectacle de Dieudonné. Eh, donc c'est normal que je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est logique. C'est sportif. BHL. Ouais, ses parents avaient fait fortune dans le bois africain, tu sais. Bon, il avait dû l'acheter à un bon prix, certainement, parce qu'ils ont des milliards aujourd'hui. Ça, c'est des affaires. Hein. BHL. En hébreu, ça veut dire le porteur d'excréments, je crois. Mais ne ris pas, je sais ce que je dis. C'est de l'hébreu ancien, moi je te parle, 1914. C'est-à-dire, c'est celui qui sculpte ses matières pour en faire un arbre à connaissance. Un branleur, voilà, le mot exact, c'est ça, c'est un branleur. Non, BHL. Oh. Un apôtre de la bêtise, hein, prophète même. Hein? Quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Fais pas cette gueule-là, qu'est-ce qu'il y a? Allez, vous êtes sur scène, les gars, vous êtes en train de me pourrir ma soirée avec des gueules de déterrés, là! Je crois que c'est marrant, c'est facile de faire marrer les gens! Un peu de grandeur d'âme, pensez Luther King, pensez Mandela, je sais pas, moi, souris! Je dirais deux vieilles fiotasses de tsal, un peu de grandeur, les gars! Normalement, il faut faire évacuer la salle. Mais ça va, les gens sont prêts à mourir, t'as pas compris, ça? Ils applaudissent! Ils veulent mourir! Et ils ont du courage. Toi, t'as beaucoup plus que toi.
putain, qu'est-ce qui s'est passé, Jackie? Putain, je comprends pas, putain. Toute cette merde, putain, cette polémique. Hein, il y a 6 mois, moi, j'étais quasiment, tu te souviens, à Paris, là, Zénith, 5000 personnes. Ah, là, on est à Montréal. Genre... Arrêtez, oui. J'étais quasiment arrivé au niveau des Beatles, moi. Toi aussi, Bernard Mabille en tournée, ça. Quoi? T'en as fait qu'à ta tête, t'as voulu écouter personne. Hein? Résultat des courses, t'es devenu le symbole de l'antisémitisme. Non, arrêtez, c'est pas marrant, c'est vrai. Ils m'ont prêté ce joyeux sobriquet, putain. Ah, l'antisémitisme, quelle saloperie, je te jure. Ça te tombe sur la gueule un beau matin, tu sais. Eh non, puis t'es pas préparé, tu sais, ça te bouffe la noix de coco, là. Moi, ça m'est arrivé, c'était au mois de décembre. 1er décembre. Ah, ouais. Je suis réveillé le matin, j'étais pas bien. Ah, t'es crevé, tu sais, t'as des nausées, tu te sens des courbatures, t'es dans le bras droit. Ah, j'aurais dû me dire, il y a quelque chose. Ah, j'aurais dû me dire que c'était chiant, que c'est. Mais j'ai pas voulu voir. J'étais pas bien ballonné, tu sais. Puis cet accent venu de nulle part, là, j'ai pu engueuler avec mes gosses. Insupportable, radical! Rester groupir! Rester groupir? Non, attends. J'aurais dû comprendre que c'était du sérieux, surtout quand les médias se sont mis à me cracher à la gueule. Tous en même temps, à l'unisson, on aurait dit les compagnons de la chanson, les mecs. Salon antisémite! Oh, ça va, oh! Et puis j'étais devenu infréquentable, quoi. Puis j'étais peut-être contagieux, attends, j'ai peut-être contaminé des gens sans le savoir, ouais. Mes gosses. Hein, t'imagines? Moi, je rentre dans le bain un soir, mon gosse, aïe, 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 oh, dans l'eau. Mais qui t'a appris ça? Non, j'aurais dû consulter plus haut, plutôt. J'ai fait le con, là. Là, j'ai fait l'autruche, j'ai pas voulu voir, tu sais. Après 15 ans de carrière, je me suis retrouvé comme une merde. Même le lobby camerounais m'a tourné le dos. Attends, ils sont 5 sur Paris à coup de téléphone, c'était quand même pas grand-chose. J'en ai eu un au téléphone, j'ai dit, les gars, non, de donner, il faut arrêter de m'appeler, hein, t'es fou, toi. T'es pas, je ne sais pas ce qui a pu se passer, je ne sais pas. Non, mais je m'interroge, hein, je vous dis pas, hein, je m'interroge. Pourtant, plus jeune, on m'avait inculqué des valeurs, une morale, je veux dire, j'ai été baptisé, moi. Baptisé. Ouais. J'ai été au catéchisme, ça, j'ai été tout avec Jésus et toute l'équipe. Hein. Si, bah si, je vais vous montrer, tiens. Pardon? Pardon, monsieur le curé? Eh ben, je fais de la prière, là. Prière de Jésus, là, je sais pas quoi. Quoi? À voix haute? À voix haute, t'es un fou, toi, à voix haute. Non, non, c'est la honte, et moi, je fais pas à voix haute. Il n'entend pas, l'autre, de toute façon. Non, 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 eh ben, je préfère. Eh ben, vas-y, fais-le, toi. Eh ben, voilà, notre Père qui est aux cieux, voilà. Si, je connais. Eh ben si, eh ben notre Père qui êtes aux cieux, tenez dans son bec un fromage. Bonjour, monsieur la belette, là, je sais pas quoi, le corbeau, je sais pas. Hein? Non, mais je vais le dire, monsieur le curé. Voilà, notre Père qui êtes aux cieux, voilà. Notre Père qui êtes aux cieux. Votre Père qui êtes aux cieux, franchement, reste planqué, je te dis tout de suite.
Hey, dans le secteur, il y a tout un tas de lascars qui veulent te la faire à l'envers. Hein. Rissorangis, Montelage-Jolie, la trappe, laisse tomber, t'es grillé, ils veulent te fumer, les chiens. Notre père qui êtes aux cieux, franchement, t'es un malade, je te le dis tout de suite. Notre père qui êtes aux cieux, non mais c'est quoi les conneries que t'as été racontées, là? Il y a 4000 ans, là. Je sais pas quoi, les histoires de peuple élu, de terre promise, mais t'es un malade, ils ont cru dans tes blagues. Mais bien sûr qu'ils ont pas compris, c'était des plaisanteries. Ils sont même en train de construire un mur dans le désert, ils ont tourné fou, je te jure. Hey, t'es un malade. Hey, notre père, au fait, hey, l'histoire aussi avec la Vierge Marie, là. Ah, tu m'as tué, là, tu m'as tué. La Vierge Marie. Non, mais je veux dire, si tu te l'es tiré, tu reconnais au moins. Il fout la merde, il se tire comme un voleur de sac à main, t'es un voyou, je te jure. Hey, notre père, si j'ai un conseil à te donner, tire-toi, lâche l'affaire. Tu te fais oublier, tu vas te refaire sur Jupiter. Oh putain, ça... Quoi, monsieur le curé? Non, parce que ça nique les genoux, ton truc, je préfère. Eh ben, moi, je fais la prière debout, puis c'est tout. Quoi? Quel blasphème, c'est... Je blasphème personne, moi c'est toi qui blasphème ma race, bâtard, pourquoi tu me parles comme ça? Eh ben tu vas évangéliser ta mère, tu me lâches et puis c'est tout. Quoi que je fasse des efforts. Mais des efforts, je m'appelle Dieudonné déjà. Dieudonné. T'es un fou, toi. Que je fasse des efforts. Mais que je te suce, c'est quoi le projet? Non, mais j'étais moins vulgaire que ça. C'était pour vous montrer que j'ai eu une éducation religieuse. Alors, par rapport à Jésus, tout ça, je me suis intéressé à la vie de Jésus, de savoir, parce que les gens ne savent pas, donc quand même, bon... Mais si tu t'intéresses un petit peu à la vie de Jésus, quelque part, on a eu un peu le même parcours. Hein. Mais toute proportion gardée, oh là là, je me prends pas pour Jésus. De toute façon, il n'était pas humoriste, celui. Hein. Et voilà, il était magicien, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ouais, il faisait des miracles et tout, l'autre. Mais hein. Si tu regardes bien le problème de Jésus, à un moment donné, il a eu... Il a fait une équipe au cul, hein, c'est clair. Hein. Il a fait un sketch qui n'a pas plu. Son numéro, là, avec la multiplication des pains, là, ça faisait marrer que lui et ses copains, hein, je vais le dire. Mais il s'est retrouvé avec tout le lobby boulanger sur la face. Hein. Bon. Eh, les autres, ils sont debout à 4h du matin, l'autre en plein après-midi, ils se remuent les pains, l'autre. Tiens, pardon. Ah, Jésus, aujourd'hui, il remplirait pas l'Olympia, je peux te le dire. Ah, je sais pas s'il pourrait y jouer, hein. C'est vrai. Enfin, bon, bref, non, là, on déconne, là, on est parti sur autre chose. Donc après cette période évangéliste, là, où on m'a inculqué des valeurs, hein, j'essaye de comprendre ce qui a bien pu m'arriver. Donc après, j'ai eu 15 ans d'éducation nationale, en France. 15 ans à feu doux, comme ça, jusqu'au bac, là. Oh, j'en ai chié. J'ai livré une guerre sans merci contre le sommeil, hein. J'étais... Tous les jours, j'arrivais... Cosinus, c'est bien ça. Je n'arrivais pas à m'intéresser. Mais j'ai même été jusqu'à passer un oral d'anglais, moi, au bac. Tiens, je vais vous montrer, tiens. Un, deux, voilà, deux, trois. Yes, t'as vu, je suis trop fort. Mais c'est déconné, je te jure. Pardon, madame. Eh ben, j'ai lu, là, pour le... J'ai révisé, là, bien sûr. Quoi? What the hell? Quoi? What the hell, t'es fou, toi. William. Mais non, je lis là, à y lire ou pas? D'accord, Vincent, d'accord. Alors, j'ai une tête of America,
forme de Lénine économique, culturel, and military power in the world. That quoi? Là, il y a une faute, là, certainement, non? Hein? Non, mais je dis, il y a une faute, c'est tout. Clinton, d'accord. Alors, Democracy in the world, America, quoi, America. What? What's it doing? T'es fou, toi. Ah non, je comprends. Non, mais quoi? Attends. Non, mais doucement, doucely. T'as vu, c'est la mitraillette. Voilà, slowly, per favor, sinon on va pas pouvoir. Queen. Non, mais c'est la caméra cachée, c'est quoi ça? Non, c'est pas de langue. Ah non, je comprends. Ah non, je comprends. Il y a l'accent. Ah oui, c'est votre accent, madame. T'es fou, toi. Ah non, l'accent, franchement. Hein. Parce que moi, ma prof, madame Gélinas, tu sais, elle a un accent anglais. Je veux dire, on comprend l'anglais. Là. Ah non, pour moi, c'est pas anglais, ça. Mais elle fait des gestes aussi, madame Gélinas. Voilà, moi, c'est anglais, oui, je geste. Hein. Sinon, je peux pas. Brendan? Ah non. Non, ça fait depuis la sixième que j'entends injecter l'anglais. T'es fou, je sais reconnaître, là, on dirait du basque, ce que vous faites. On dirait du breton, là, écoute, pas tout, c'est pas anglais, pas. Si, ben, what is your question? Vas-y, come on, comment tu veux que je réponds? Quoi? Non, on comprend pas, maintenant. Eh ben, on comprend pas la question, mais arrête, elle me postillonne dessus, maintenant. Mais il y a le respect du candidat aussi, madame, attention, madame. Hein? C'est la note. Un sur 20. Ah oui, mais attends, c'est pas beaucoup, madame, un sur 20. Non, moi, non. Moi, ce que je vois, c'est 2-3, quoi, attends. Non, ou 1/2, mais tu vas pas me mettre 1/20. Attends, bien sûr, même ne serait-ce que pour le déplacement, je veux dire. Quoi? Non, l'anglais, ah ouais, c'est important l'anglais, t'es fou. Anglais, parce que anglais, je veux dire, si par exemple les Américains, ils nous attaquent. Mais c'est vrai, ils attaquent tout le monde. Peut-être un jour, ils ont besoin du raisin, du vin, ils vont attaquer. À ce moment-là, c'est quand même, c'est important de parler l'anglais. Eh ben, pour collaborer directement, t'es fou. Le français, ah non. Les Français, je vois les jeunes, ils veulent plus. Hein. Parce qu'ils savent pas, ils se disent, tu sais, peut-être ça sert à rien, peut-être bientôt. Hein, je vais rentrer chez moi. Comment ça? Ouais, mais madame, attention, madame. Mais oui, mais il faut me mettre une meilleure note que ça, madame. Ah oui, mais c'est non négociable. Ah oui, mais c'est regrettable. Mais parce qu'il se trouve que je connais ton adresse, madame. Si je veux la pâte, je te la lève comme ça. Là, vas-y, je te tartine ta face. Là, tu vas comprendre quelque chose. Ah, mais j'étais moins vulgaire que ça aussi. Mais là, c'est un espace scénique. Hein? C'est donc un personnage que j'interprétais. Ah, évidemment, on est obligé de contraster un peu. Non, mais c'est vrai, j'étais un cancre. Oh. En anglais, si, j'étais un adepte du cancrisme. En même temps, si des mecs voulaient avoir des bonnes notes, j'étais tolérant. Hein. Moi, j'avais un mec à côté de moi, il avait que des 20, des A, des très bien et tout. Dingue, le gars. Complètement possédé, le gars. Un drogué, c'est ça, une sorte de drogué. Moi, je le voyais, je pouvais pas lui parler, le gars. Ça sert à rien de discuter avec ces mecs-là. Je savais bien qu'il allait mal finir, moi, le gars. Ouais, comme je vois un gosse de mon petit, là. Un gosse de mon petit. Un gosse, c'est vrai, il faut pas dire ça. Mon fils, tu vois, il a 10 ans, il est en classe, il a son voisin de classe. Premier de la classe à 10 ans. Premier de la classe. Non mais que font les parents? Mais je dois m'attendre. Après on s'étonne qu'à 30 ans le gamin il est sous Prozac, il est comme un flan devant sa télé, comme ça il vote Raffarin. Mais c'est normal. Mais non mais c'est ça. Les cosinus, les sinus, les Thalès. Thalès. Oh, si je le croise, Thalès, je crois que j'en ai une. Non mais attends. De faire chier le monde comme ça sur des générations, je lui ai rien demandé, moi, Thalès.
Ah ben non, mais attends, c'est fou, ça, c'est ça. C'est ça qui bouffe le cerveau des gamins, quoi. Et après, vous voulez quoi? Que vos gamins, ils finissent premier de la classe, finissent comme Sarkozy? Non, à jamais. Hein. Moi, j'ai dit à ma femme, hein, je préfère encore le perdre dans un accident de voiture. Bourré un samedi soir en sortie de discothèque, un pylône. Là, au moins, il se serait éclaté un peu, le gamin. Ah, mais non, t'as vu, ça m'énerve. Non, mais c'est... Voilà, moi, à un moment donné, moi, je me suis révolté. Moi. J'ai été un révolutionnaire, moi. Pas un révolutionnaire. Jusqu'à Châtelet-Léal, Paris-Centre, hein, je veux dire. Attends, t'es marrante, j'avais une carte orange de zone. Qu'est-ce que j'aille faire la révolution ailleurs moi. Mais j'ai été un révolutionnaire, quelque part, un genre de Che Guevara de banlieue, quoi. J'avais une bombe et tout, j'allais dans le métro et tout. Il y avait un truc qui s'en lavait pas, hein, toi. J'en mettais partout. Hein. FLNKS, je mettais. T'es Front de Libération de la Nouvelle-Calédonie. T'es au moment des révoltes canaques, vous vous souvenez, vous connaissez pas ici les canaques. Les canaques, c'est une colonie française, quoi. Genre de petits, tu sais, t'as des genre de petits Winnie l'ourson, comme ça. Ouais. Avec de la laine, ouais, mais c'est attention, ils sont plus agressifs, tu t'amuses pas à les caresser. Hein. Ah, le canac, il peut être mauvais, il peut être con, le canac. Et quand tu lui voles sa femme, sa dignité, tout son pognon, sa terre, et à un moment donné, il prend la mouche, le canac. C'est l'histoire de France. Vous connaissez pas, c'est l'histoire de France, pays des droits de l'homme. Ah, des droits de l'homme blanc, bien sûr, c'est pas précisé. Ce qui s'est passé avec les Kanaks, vous vous souvenez pas, mais c'était la grotte d'Ouvéa. C'était à un moment donné, les Kanaks, ils en avaient plein le cul. Hein. Ah non, non, on leur avait tout pris. Hein. Même leur froc, les gars, ils étaient comme ça, ils en avaient marre. Hein. Vous êtes arrivés il y a 5 minutes, il n'y a plus rien, les gars. Là. Alors les Français ont dit, oui, mais on n'en a pas encore assez. Oh, mais non, non, là, ça suffit. Alors ils ont pris des gendarmes, tu vois, ils les ont enfermés dans une grotte. Bon, certainement pour leur piquer leur froc, déjà, dans un premier temps. Et là, la France a dit non. Hein. Ah, Chirac, Ponce, ils sont montés au crâne. Les Kanaks. Alors, vous rendez les frocs, hein, maintenant. Attention, hein. Alors, les canaques, non, 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 on en a marre. Non, on n'a plus à bouffer. Là, tu vas la prendre, celle-là, tu vas voir, hein. Alors, les canaques, non, d'accord, mais. Ah bon, faites-vous un bisou. Un bisou, fais un bisou. Fais un bisou, le canac. Alors, le canac, il est sorti un peu, c'est gentil aussi, un peu, toi. Et là, ah, une balle dans la gueule. Ah, ça, c'est la France. Hein. Ah, ça, c'est la. Ah, la France en même temps, c'est attends, il y a la Révolution française aussi. Hein. Révolution française. Pays qui a vu naître la philosophie des Lumières. Lumières. C'est-à-dire avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas de lumière. Ah, les gens étaient comme ça. Ah merde, t'es là, toi. Mais oui, mais faites-y, les gars. Puis un jour, ah, la lumière. Oh, oh la vache. Hein, assieds-toi, ça. Ah, mais dégage, j'ai une sale gueule, en fait. Les gens étaient comme ça, hein. Montesquieu, Diderot, Rousseau, comme ça. Voltaire, les nouveaux pères, la morale. Ah, j'ai étudié, c'est-à-dire, c'est pas mal. Ah, c'est... Les Noirs sont aussi singuliers de caractère que de couleur. Ça, c'est Rousseau, c'est Jean-Jacques, ça. Ah, quand il se lâchait, Jean-Jacques, attention, il en avait des bonnes, quoi. Mais t'as Montesquieu aussi, qui était pas mal. On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme bonne dans un corps tout noir. Quelle lumière! Quelle clairvoyance! Ah! Oh là 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 là, c'est là que je me suis dit, tu vois, c'est à peu près. Tout ça, là, l'éducation nationale, c'est à peu près. C'est là que je suis devenu un à peu prêtiste. Ben, un à peu près, c'est un mec qui évolue dans le grosso merdo. Ah, il dit, oui, d'accord. Là, la prof, j'écoutais, je suis pas le mec hostile. Non, d'accord. Ouais, mais parle plutôt à cette personne, parce que moi, ça va. Ah, lâche-moi, c'est ça, si c'est possible. Et là, on était dans un petit groupe d'à peu près. C'est là que j'ai rencontré Elie Boone, hein, mon pote. Le petit rossignol de la Tour C, il poussait déjà la note. Vous vous souvenez la fine équipe, tous les deux, non? Tiens, je... Ah ouais, mais dis donc, Gwen. Moi, le gamin, il est à l'hôpital, Gwen, hein.
Il s'est fait toucher aux parties génitales, le gamin. Le docteur ne peut même pas se prononcer, on ne sait même pas s'il va pouvoir se reproduire un jour, le gosse. Quoi? Ah ouais, mais dis donc, Cohen, moi ce que je comprends, Cohen, c'est qu'en 39-40, les boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen. Hein? Puis t'as pas mis la galette et les guirlandes, là, Cohen. Il n'y a pas marqué palestinien, là, Cohen. Kaoufé, Kaoudé, Kaoudé, Kaoudé. 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 Qu'est-ce qui se passe encore, les gars? On vous dit, quand il n'y a pas le son, auxiliaire 2, auxiliaire 3, on met 3 micros de secours. Tu es en train de me niquer encore le spectacle. Écoute, réveille-toi. C'est le décalage horaire, c'est quoi? C'est pas le décalage horaire. Hein? Quoi? Ben, il y a eu prononciation d'un mot interdit. Non, non, ça va, je m'en occupe. Qu'est-ce qui t'arrive, Jackie? Attention à ce que tu fais, Jackie. Hein? Déjà, tu baisses les yeux, attention. Hein? Baisse les yeux. Fais très attention, Jackie. Je vais compter jusqu'à 3, Jackie. 1, 2, 3, Jackie. 4. Hein, je t'ai laissé une chance devant tout le monde. Bon, allez, ça dégage. Ça fout le camp. Ça se tire. Hein, je suis désolé. Hein, maintenant, les conneries, les congés d'intermittent. Là, tes heures de congé spectacle dans le cul. Là, ça va gueuler. Là, ça va gratter à la porte. Là, hein. Là ça va y aller. Là. Allez, Laurent, remets-moi le son, Laurent. Allez, Laurent! Oh non, pas toi, Laurent. Alors là, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, Laurent. Hein? À la vie, à la mort. Hein? Si tu tombes, tu tombes. Hein? Moi, je suis neutre. T'es neutre, Laurent? Ça continue. Censuré par ma propre équipe. Ça fait. T'as remué dedans. Oh, je chialerai pas. Merci les gars. Pourtant vous risquez rien, on est au Canada. Hein? Pourquoi? Et vas-y, tire-moi dessus alors tant que t'y es. C'est mon dernier espace d'expression, c'est mon métier ce truc. Tu peux me laisser faire ça, non? Allez, tire-moi dans l'air, tire-moi dans l'air. Et mes gosses, ça donne. Plus rien. Où fait? Non mais c'est normal. Vous avez prononcé le mot palestinien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas prononcé de... Si, bien sûr, on va vite vérifier. Qui t'a dit ça? Allons-y, on va vérifier tout de suite. Mais dis donc, ouais, il n'y a pas marqué palestinien. C'est pas moi qui ai fait ça, si? Ah, ouais, non, lui, il a dit non, si. Non, non, attention, là. Eh oui, on est deux, là, hein? Oui, bon, d'accord, bon, bah, j'ai dit palestinien, mais ce que je comprends pas, c'est que si je reprenais mot pour mot le sketch que je faisais avec Ellie il y a 7 ans, tu vas pas me dire qu'en 7 ans, j'ai plus le droit de dire la même chose. Bah si, bien sûr. C'est qu'entre-temps, les lois, elles ont évolué. Hein. Ah bon? Bah bien sûr. Oui, moi je regarde dans le nouveau code de procédure sarkozien. Alors... Ah, c'est Sarkozy qui fait ça, oui, bon? Bien sûr. Ouais, vous voyez, alors expulsion des sans-papiers. Bon, c'est pas ça. Vous avez vos papiers? Oui, bah évidemment, pas de qui? C'est moi, c'est Dieudonné. Ouais. J'ai mes papiers, mais je les ai pas sur moi, ils sont en loge. Mais juste pour rire, c'est moi, le festival. Okay. On verra après, c'est pas grave. Alors, je continue. Lécher le cul du CRIF. Non, mais... ça, c'est dans les recommandations, ça n'a rien à voir. Alors, voilà. Ah, ça y est, voilà. Palestinien prononcé en public, hein, c'est le cas. Eh bien, c'est un mois ferme. Merde. Voilà. Mais oui, mais comment on appelle les habitants de la Palestine aujourd'hui? Ben, des imposteurs, des squatteurs, des terroristes. Ah, d'accord. Ah, voilà, ouais. Ah, d'accord. Voilà, ben, y en a. Ah, on ne sait pas, ça. Vous en avez d'autres encore, oh, vous voyez. Oh la vache. Vous avez des mangeurs d'hommes, des bêtes sauvages, vous avez le choix. Hein. Même les enfants, des petits mangeurs d'hommes. Voilà. Ah, merde. C'est ça, ouais. Vous voyez, c'est une jurisprudence anglaise, vous voyez. You are a wet. Là, je parle pas anglais. Là, ça m'énerve, ça m'agresse. Oh la vache. Moi, j'étais persuadé que les Palestiniens, c'était des êtres humains. J'étais dans un délire complet, complètement. Hein. Comme un drogué. Moi, j'étais comme un drogué. Bien, hein. Attention quand même, hein. Des êtres humains. Ce genre d'affirmation peut être considéré comme antisémite. Ah non, 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 fini, moi. Musical, maintenant. Hein. Ah non, non, fini ce temps-là. Joséphine Baker, moi. Ah, trouve-moi une banane, tiens, je vais la mettre dans le cul, si tu veux.
Hein? Accessoire, accessoire. Oh, ça va, alors. Pas ce genre de blague. Attention, les gars. Bon. Pas de création, c'est moi qui écris les gags. Hein? Faites attention, quand même. Hein? Faites comment attention. Bah oui, parce que premier avertissement, on coupe le son. Deuxième avertissement, on coupe la lumière. Et puis troisième avertissement, bah, on fait évacuer la salle. Hein? C'est... Non, c'est normal, c'est la loi. C'est... Voilà, c'est la loi. La loi. Ah, ils vous pondent des lois en même temps en ce moment, c'est dingue, en France. Si tu te tiens pas au courant, il est au courant, ouais. Alors, si tu te tiens pas au courant, tu passes ta vie devant les tribunaux. Moi, depuis que je suis en solo sur scène, je passe... J'ai une tournée sur scène, une tournée dans les tribunaux. Ouais. Et je joue à guichet fermé dans les deux camps, hein. Non, mais faut se tenir au courant. Puis là, dans l'humour, en ce moment, là, cet été, ils veulent nous... C'est dingue, Raffarin, il est parti bille en tête, l'autre. Hein. Ils veulent nous interdire le mot « bite ». C'est trop vulgaire. « Bite ». Tu te rends compte ?« Bite ». Pour un humoriste. Mais c'est comme si tu retirais sa raquette à un tennisman. Tu fais quoi ?« Bite ». En plus, c'est le patrimoine humoristique de la France. « Bite ». C'est-à-dire, tu vas à l'étranger, n'importe où, « bite ». Ah, t'es français, bon. Ouais. Voilà, le mec se marre pas, mais je veux dire, il te comprend, quoi. Ah, j'ai mon pote Jean-Marie Bigard, là, il a entamé une grève de la faim. Hein. Et lui, il avait investi très lourd hein, dans la bite. Hein. J'étais le voir à l'hôpital et tout, j'avais amené une bite en chocolat. Oui, parce que c'était Pâques, c'était la tradition là-bas. À Pâques, t'amènes un truc. Et il m'a dit, non, laisse tomber et tout. Non, c'est dingue, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Même TF1 m'a appelé et tout, bite, bite. J'ai dit, oui, mais calmez-vous, bite. Et il me dit, oui, tu te rends compte, faut qu'on fasse quelque chose. Ben oui, mais j'ai jamais rien fait avec vous. Oui, ben oui, mais bon, c'était Arthur, le gars. Arthur, c'est un présentateur. Ah, dis, t'en fous, mais je te le dis. Et il me dit, oui, bite, bite. J'ai dit, oui, ben bite, j'ai bien, t'es calme-toi, toi, il te restera toujours des couilles en or, réfléchis un petit peu. Il m'a raccroché au nez. Non, mais c'est le principe, c'est le gag, quoi. C'est... Non, mais c'est fou, quoi. Tu fais. Non, mais attends, ça n'a aucun sens, ce qui se passe. Je fais un sketch pour la télévision, je fais un colon israélien. Tu vois, ça plaît pas à tout le monde. Résultat, je me retrouve dans un tribunal. Hein, dans un tribunal avec des assassins, des pilleurs de tombes, des violeurs d'enfants. On va où, là? C'est à moi, madame? Non, parce que. Oui, mais moi, il m'avait dit dans une heure, parce qu'après, j'ai. D'accord. Oh la vache, la vache. Ah, non, c'est bon, non, ça. Non, je fume pas. Ouais, 2 heures, moi, ça fait 3 heures, ouais, déjà. Et toi, t'es là pour quoi, toi? Oh, ben, cette fois-ci, ils m'ont collé la complète. Ouais. Faux, détournement de fonds, faux, usage de faux, viol en réunion en plus, tu vois. Avec trafic d'organes, la complète. Et œuf, jambon, fromage, comme on dit dans le métier. Ah, mais là, ce qui m'emmerde le plus, c'est que le juge, c'est une bonne femme. Ça, je supporte pas. Avec mon histoire de viol, j'ai essayé de me faire la leçon de morale, tu vois. Et rentrer dans le lard, ça va pas. Ah, je supporte pas, ouais. Et là, alors qu'il y a un juge homme, il te comprend quelque part. Oh. Et oui, tu expliques, bourré entre copains, samedi soir, et voilà, un petit fion de 15 qui passe, et tac-tac. Et voilà, et Gérard Majax, c'est ni vu ni connu, et tout le monde est content. Hein. Mais là, c'est la chialie. Et toi, t'es là pourquoi, toi? Oh ben non, moi ça n'a rien à voir, hein. Moi j'ai fait un sketch au départ, donc... Un sketch comique, ouais, à la télé, ouais. Ah oui, c'est toi, Légitimus, je sais pas quoi, là. Ah, j'ai entendu parler de ton histoire, salaud. Ah, mais toi, t'es un fou, toi. Toi, t'es pas sorti, j'ai eu tout de suite, hein. T'as mis les pieds dans la zone interdite, même te parler, sacré, t'es fou. Critiquer Israël. Non, mais viole un bébé, détends-toi, oh. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est ce que j'aurais dû faire, putain. En plus, ma voisine venait d'accoucher, c'était facile. Au lieu de ça, j'ai fait le con. Pourquoi j'ai été faire ce sketch?
Même au Canada, j'ai tout le monde sur le dos, là. Nenbridge, pourquoi? Si je l'aurais fait. Oh, j'ai fait le con, faut pas faire des sketchs sur Israël. Mais d'ailleurs, ne parle pas trop d'Israël. Parce que même ici, moi, j'ai le technicien son du spectacle qui bosse plus ou moins pour le Mossad. Donc si tu pouvais la mettre en veilleuse. Pardon? Non, je parlais à un personnage, Jackie. Il n'existe pas, c'est un personnage, on est sur une scène. Je peux quand même laisser parler mes personnages, enfin. Ah non, mais ça m'énerve, là. C'était pour faire rire les gens, enfin. Ah non, je les ai sur le dos jusque dans mon boulot. Hein. Ah, ça, c'est clair que le sioniste, il est organisé. Je vois pas où. T'as entendu ce qu'il a dit? Ah non, 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 mais je me désolidarise complètement de ces personnages. Hein. Sioniste est organisé, non, mais ça va pas, non? Je t'ai dit que tu n'as pas le droit de parler de ça. Tu n'as pas le droit de parler de ça. Eh bien, parce que t'es en France, mon vieux. Eh bien, en France, tu... Non, tu l'as... Parce qu'il y a eu la loi. La loi. Tu ne parles pas. De toute façon, je n'ai pas à parler à un personnage. Hein, tu es un personnage, donc tu te tais. T'as un texte, si tu suis ton texte. Là, tu es en train de me foutre des emmerdes. Je vais avoir Brenbrit sur le cul. Bah, au cul. Ouais. Non, mais t'as vu, je... Ryan, tu te calmes, toi, hein. On est tous des personnages dans cette société, hein. Toi comme moi, hein, donc c'est tout, hein. Et tu te calmes, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, me dis donc, mais oui, mais tu en es des personnages peut-être, mais moi je suis l'auteur, mon vieux. C'est moi qui écris, sans moi tu n'existes pas. Là tu fais ton mariole parce que j'ai fait un petit accent toulonnais, là on dirait un petit mafioso de mes deux, mais si je veux, moi, si je veux, je te fous la chiasse. Avec l'accent québécois, pourquoi pas, si je veux. Ils sont pas de bon sens, cette histoire. Enlève-moi cet accent, toi, de cette... Ah, hein, monsieur! Hein? L'entends-moi, ta grande gueule! Hop, je le fais disparaître, ce personnage. Vous avez vu? C'est ce qu'on appelle de l'autocensure, ce que je viens de faire. C'est-à-dire, mais quand je sentais qu'il allait trop loin, si je le laissais passer, là j'avais un procès au cul à la fin. Pour ça, je vais fermer sa gueule tout de suite. Je suis content. Ah, je suis content parce que c'est un geste technique que vous verrez très très peu souvent, ça. On est deux à le faire en France. Ou trois, je crois. Enfin, bon. Ah, je suis content. Non, ça me fait plaisir, là. Ah, je suis dégagé parce que toi, quand tu arrives à faire ce genre de prestations techniques. Ah, là, j'arrive complètement à me contrôler parce que là, attends. Ça a été trop loin, cette histoire. Alors, faut absolument que j'arrive à calmer le jeu. J'ai quand même été interdit d'antenne sur le service public, moi. Service France Télévisions. J'ai été jugé irresponsable. Mais c'est-à-dire que... ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je n'avais pas les compétences pour répondre à... C'est-à-dire que si, je peux parler, tu vois, je peux manger, faire caca, mais pas parler aux gens. C'est-à-dire que je n'ai pas les capacités pour parler. Donc à ce moment-là, vous êtes mis sous tutelle. Et c'est-à-dire c'est d'autres personnes qui parlent à votre place. Des personnes. Alors moi, c'est Bernard-Henri Lévy, Phil Kencrot et Benichou qui parlent à ma place. Ah, c'est des commis d'office. Bon, moi, ça m'est arrivé, mon affaire, pendant les vacances, donc c'était des mauvais. Mais tu peux tomber sur des bons, j'imagine. Non, mais là, faut que j'arrête, faut que je rassure, ça a été trop loin, cette histoire. Vous savez qu'à un moment donné, j'ai quand même été identifié comme la branche humoristique d'Al-Qaïda, moi. Moi! Dieudo le rigolo! Pèlerin de la farce et du bon mot, hein? Citoyen du monde enchaîné à l'universel, je me suis retrouvé jeté au pilori de la pincée unique. Box, me disait le copain Nougaro. Ah, Emma, si un copain. Nous étions tous deux, me disait-il, gangsters de la beauté. Moi, Dieud, alias l'Africain, m'appelait l'Africain. Braqueur de rire, Jacques Mérine des humoristes, lui, Claude Nougaro. Autoproclamé le nègre grec. Ah, ne me demandez pas ce...
perceur du coffre-fort de l'inspiration, Spaggiari de la poésie, Yemaha. Ah, boxe, boxe. Gloire, gloire à toi, Claude, au plus haut des cieux. Que ta poésie soit faite. Sur la terre comme au ciel. Et délivre-nous du bien et de son axe. Un. Boxe. Un. Yema, Claude. Un petit moment de nostalgie. Hein. C'est un petit peu... Bon, pour plus, c'est mon spectacle. Je fais ce que je veux, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, enfin. Ah oui, qu'est-ce que je disais? C'était toutes ces émissions sur mon affaire. Je sais pas si vous en avez vu ici, mais là... Ben, je vais vous en faire une, tiens. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée « Carte sur table ». Alors, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la liberté d'expression. Celle-ci est-elle en danger? Faut-il lui fixer des limites? C'est à ce genre de questions que nous allons tenter de répondre, donc en compagnie de nos deux invités, hein, qui sont donc le professeur Frédéric Goldenkraut. Hein, vous êtes philosophe écrivain, hein, vous êtes également président de l'association des amis de l'apartheid, hein, des amis d'Israël, pardon, excusez-moi. Petit lapsus, ce sera coupé, ce sera... Vous inquiétez pas, ce sera coupé au montage. Alors, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'islam ou le sida des consciences ». Vous allez nous en parler. Hein, vous allez nous en parler. Et de l'autre côté, donc le professeur Tofik Ramidi. Hein, vous nous venez, quant à vous, de l'université du Caire, hein, en Grèce, en Égypte, pardon. Vous êtes également philosophe, écrivain, hein, et notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le judaïsme, une escroquerie de 4000 ans ». Alors, on va y revenir. Alors, je rappelle simplement que ce débat fait suite à l'affaire Dieudonné, hein, cet humoriste pygmé, hein, qui a exécuté en direct sur France 3 un sketch jugé, hein, antisémite, voilà, pour certains, ou au contraire, parfaitement réussi pour d'autres, vous allez nous en parler. Alors, moi, ma première question, je vais la poser au professeur Goldenkraut. Hein. Oui, c'est un tirage au sort qu'on a fait. Avec la direction, monsieur. Ben oui, mais c'est... Tiens, coupez-lui son micro, mais ça n'a pas de sens. Alors, moi, ma première question sera la question suivante. C'est moi qui fais ça? Hein? Tu pourras l'enlever, ça, au montage? Je sais pas, ouais, j'ai dû manger un truc. Là, ça sera coupé, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous pose la question. Alors, ma première question sera la suivante. Professeur, selon vous, peut-on rire de tout? Doit-on laisser aux humoristes une liberté d'expression totale? Hein, alors, Écoutez... Je ne m'exprimerai pas ce soir, hein, en tant que juif pratiquant, hein, athée et laïque, mais en tant que citoyen français. Heurté, voyez-vous, au plus profond de lui-même par cette agression anti-juive sans précédent depuis 60 ans. Ne me coupez pas. Quand je parle, ne me coupez pas la parole. Et vous? Ce soir, j'ai mal. Et la douleur qui m'accompagne ne date pas d'hier. Elle vient ponctuer 100 000 ans de persécution. 100 000... Ne me parlez pas! Je vous ai dit de ne pas couper la parole! Ah, oh, mais oui, mais c'est emmerdant! Eh oui, il est présentateur, eh bien, il se déplace. Je ne veux pas l'avoir dans le champ de la caméra, voilà. Allez, je reprends. J'en étais où, là? 100 000 ans, voilà, d'accord. 200 000, tiens, je vais dire 200 000. Viens ponctuer 200 000 ans de pogroms, de supplices, de larmes, de cris, de pleurs et de points de côté. L'inconcevable, l'inadmissible a pourtant une fois été franchi et à une heure de grande écoute. L'attentat atroce, l'exploit antisémite unique, dont s'est rendu coupable
notre ami Chocolat marquera à jamais ce millénaire qui débute. Mais ce qui me peine le plus, c'est cette ingratitude caractérisée du nègre d'Afrique envers son bienfaiteur, le peuple élu d'Israël. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Où seriez-vous, monsieur Blabla? Hein? Sans nous. Hein? Sans les Schellcher, sans les Diderot, les Montesquieu, les Robespierre et les Jean-Marc Thibault. Où seriez-vous? Hein? Tous juifs, oui, pour la plupart. Écoutez, 95% des prix Nobel de la paix sont juifs et des hommes qui ont compté pour cette planète. C'est une réalité, monsieur, biologique, hein, qui nous a été... Me contredire serait une posture révisionniste. Et vous seriez poursuivi, et vous le savez pour cela. J'accepte vos excuses. Hein. Voilà. Plus bas quand même. Rampez sur le sol. Voilà. Alors. Mais là n'est pas, voyez-vous, la question. Comment dire Vous savez, quand. Ce qui m'a choqué le plus dans cette affaire, c'est. Il faut voir le sketch hein, de ce représentant du peuple des forêts. Effectivement. Car, si on regarde bien, quand il conclut cette singerie nauséabonde par ce Haïl Israël, hein, Haïl Israël, si, il a fait dire à son personnage, Haïl, ah si, écoutez, mais tout le monde l'a entendu. Ah ben il ne l'a peut-être pas dit, en tout cas, tout le monde l'a entendu. Et voyez-vous, il faut entendre le véritable projet de cet individu. Mais qui est l'extermination radicale du peuple juif de cette planète. Mais bien sûr, blablabla propose pour moi de réouvrir les chambres à gaz. Et ça ne fait pas l'unanimité au sein de ma communauté, je ne vous le cache pas. Effectivement, nous sommes sur un sujet où la passion est omniprésente. Je vous demanderai simplement de garder évidemment le cadre de la bienséance. Alors, je vais me retourner vers le professeur Ramidi, hein, en vous demandant par contre d'être le plus court possible dans votre réponse. Mais ce sont les aléas du différé. Hein? Quant à moi, je tiens à vous avouer que j'apprécie beaucoup l'humour de M. Diaton. Les sketchs de M. Diaton sur les colons israéliens sont un grand moment de télévision. On a rigolé, on a rigolé. À la maison, rigolez, les bébés, 2 mois, ils rigolent. Même la grand-mère, elle parle pas les français, elle est montée sur la table, elle rigolait. Non, c'est un grand moment d'attelle. Monsieur Diadon, c'est un grand humoriste, voilà. Et c'est un bon musulman, voilà. Non, je sais, il dit qu'il n'est pas musulman, mais il est musulman quand même. Et voilà. Hein? C'est un musulman athée. Et voilà. Hein? Comme l'autre Nardena Mokla qui est juif athée. Alors, pourquoi il n'est pas musulman athée? Hein? Il y a aussi les bouddhistes athées, les tas athées, tout le monde athée. Voilà. C'est pas la vérité. Le problème de Diadon, c'est à cause des juifs. C'est ça le problème. Non, moi, je n'ai pas de problème. Je parle avec les juifs. Je dis bonjour, juifs. Ça. Mais attention. Hein? Toujours, parce que toujours ils pleurnichent. Toujours qu'ils ont souffert plus que les autres. Non, tout le monde il a souffert. Il ne faut pas dire des bêtises. Attention. Tout le monde a souffert. Attention. Hein? C'est vrai. Non, tout le monde il a souffert. Et alors hein? Ça. Attention. Ah oui, merde, excuse-moi. Oui, on me fait signe en régie, je vais recentrer un peu le débat.
en me tournant vers monsieur Goldingcrawl. Hein, hein. Non, non, vous inquiétez pas, ce sera coupé, les dérapages seront coupés. Non, on ne verra plus cette personne, de toute façon, voilà. Non, mais on vous enverra une cassette, vous inquiétez pas, cours chez vous. Allez, allez, taisez-vous, taisez physiquement, fermez votre bouche. Allez, on y va. Alors, moi, je voudrais recentrer un petit peu ce débat en vous posant cette question, professeur, une question que beaucoup de téléspectateurs se sont posées. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, en interdisant le spectacle de Dieudonné, vous ne lui avez pas, quelque part, en le victimisant, vous n'avez pas lui avez fait de la publicité, hein. Est-ce que vous soutenez, vous, à votre niveau, hein, ces mouvements d'extrémistes juifs, hein, il faut les appeler comme ça, le Bétard et autres, hein, qui s'en sont pris physiquement à son public, hein, on l'a vu avec la blessure de cette jeune femme hein, d'origine maghrébine, marocaine, je crois, à Lyon. Et est-ce que vous soutenez ce genre de choses et les menaces qui ont été faites d'ailleurs à l'Olympia? Alors, la question est, soutenez-vous Non, soyons sérieux, on ne peut pas soutenir la violence. Jamais. Hein. Néanmoins, il faut remarquer dans cette affaire qu'on est plus sur un cas de légitime défense. Je m'explique. Laissez-moi terminer. Hein. Quand monsieur Bensoussan, hein, pour ne parler que de lui, puisqu'il se trouve que je le connais, hein, oui, il a été agressé, il s'en était pris à cette jeune fille hein, de 13 ans d'origine maghrébine, m'a-t-on dit, hein, marocaine. Voilà, a-t-elle ses papiers? Laissons à la justice. Alors, je crois qu'il faut... Vous savez, parce que je l'ai eu ce matin au téléphone, hein, il se trouve, nous sommes partis d'un petit réseau d'amis, et je n'ai rien à voir, et je lui ai demandé, je l'appelle Benny, je lui ai dit, Benny, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ben Benny, il y a eu un problème. Il s'est senti agressé, monsieur. Oui. Et eh oui, mais 200 000 ans de persécution, monsieur, ça peut rendre un peu nerveux aussi. Non, s'il vous plaît, je crois que dans une affaire comme... Taisez-vous. Dans une affaire comme celle-là, il faut essayer de garder son sang-froid et de réfléchir, hein, comme nous le faisons d'ailleurs au cercle des sionistes progressistes, hein, pour l'amitié entre les peuples et l'hypocrite. Le sketch de l'Africain, hein, de cet Africain, nous pose une question fondamentale. À nous, occidentaux. Mais eh bien c'est, faut-il ou non rétablir l'esclavage? Mais on en est là! Où serait-il? Ma question, monsieur. Où seriez-vous, monsieur Blabla? Sans nous? Certainement un de ces pauvres indigènes bantous, hein, perdus au fin fond de cette jungle africaine, en train de ronger quelques racines, infestées du virus HIV. Bon, on croit rêver! Je crois que, s'il te plaît, je laisse parler, tu me laisses parler, maman. Je crois que le problème, non, le problème d'Adiadon, c'est qu'il y a, non, il faut qu'il se reste calme. Il ne faut pas qu'il s'énerve d'avoir, là, parce que le problème, monsieur, c'est la propagande sioniste qu'on voit toujours à la télévision. Monsieur, j'ai fait une liste de tous les sionistes de la télévision. Je vais lire la liste pour la première fois. Dieudonné, stop. Quoi? Avec toi. Et qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Jackie, Montréal. Où? Juste pour rire? Bah oui. Oh merde, oh putain. Oh, tu m'as arrêté à temps. Oh, une liste. Oh là, j'étais grillé. Oh, j'étais mort. Oh, mais je ne peux plus avoir confiance dans mes personnages. Il avait amené une liste, le personnage. J'étais mort. Oh la vache. T'as vu ça, comment il s'est amené comme ça, comme il... Parce que moi, ce sketch, c'était pour montrer quoi? Les tensions. Tu connais, je suis pas religieux, c'est pour montrer les tensions entre les religions, toi. Alors, mon Dieu, c'est le meilleur. Alors, c'est moi! Ah! C'est ce côté ridicule de ce truc-là, toi, que je voulais dénoncer, quoi. Mais ton sketch aussi, problème, ton sketch, il est pas très objectif, quand même. Bon, bah, c'est un sketch pour faire rire, tu vois bien, les gens rigolent, Jackie. Tu vois papa aller voir chercher je ne sais quoi, quoi. Ouais, mais regarde le musulman que tu fais, on l'entend presque pas. Hein? Oui, mais on n'entend pas beaucoup de musulmans à la télé, si tu regardes bien, c'est une réalité. Ouais. Je comprends pas. C'est bien. Mais non, regarde, le juif que t'incarnes, c'est quand même un connard.
Non. Un peu, évidemment, mais je veux dire, il y a des connards aussi chez les juifs, enfin. Il y a des connards chez les juifs, chez les noirs, il y a des connards... Chez les noirs, ouais. Comment ça? Toi, mais comment... Mais, Bien sûr. Mais tu comprends. Le peuple juif est fondamentalement sain. Non, rigolez pas, Phil Kencrode, c'est un philosophe français qui a dit ça. Moi, je croyais que c'était une blague au début, j'attendais la chute, toi, en tant que bon professionnel. Non, le gars, il a plié les gros, il était persuadé de sa connerie, le gars. Je lui ai proposé de faire la première partie l'année prochaine, ici. Il va vous faire marrer, il a des bouquins entiers, le gars, c'est que ça. Et il y a l'autre, il y a le prix Nobel de la blague, là, l'autre crétin, là, comment il s'appelle? Elie Wiesel. Oh, il est bien, lui. Oui. Oh, il est chaud. Alors, lui. Oui. Comment c'était quoi la blague que tu m'as sortie dans l'avion, là? Elie Wiesel a dit à propos d'Israël, il y a un État et il est différent des autres, il est juif. Et c'est pour cela qu'il est le plus humain. Mais le problème, c'est qu'il lui manque un nez rouge. C'est ça qui va pas. Parce qu'autrement, c'est très drôle. Non, mais c'est formidable. C'est formidable. Mais on est sur une planète, c'est formidable. C'est formidable. On a des frontières partout entre les. À l'intérieur de l'humanité, ça devient terrible. Un enfant qui naît aujourd'hui, c'est le bordel sans nom. Il y a des frontières partout. Alors, là, l'enfant, il veut aller jouer. Je peux aller jouer avec lui. Alors, tu n'as pas lieu. Je peux jouer avec lui, alors. Non, à partir de là, c'est plus chez nous, là. Ce qui fait qu'on est tous, on devient tous racistes. On est tous racistes, si tu regardes. On a une culture raciste. Pour ça, il faut se soigner. Eh oui, il faut se bouger le cul, madame. Mais c'est ce que je fais, moi. Moi, je vais à l'ARA, l'Association des racistes anonymes. Ils m'ont pris tout de suite. Ils m'ont dit, venez, monsieur, c'est urgent. Hein, donc... Donc, bonjour au nouveau. Je suis Philippe Toussy, l'animateur de ce groupe de réflexion. Et donc, si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est que nous avons tous un point commun. Voilà, c'est que nous sommes racistes. Et voilà. Donc, on a commencé à s'y aller. Eh bien, si tu n'aimes pas le Québécois, tu te mets à côté du Portugais là-bas. Tu arrêtes. Donc, comme je dis toujours, le racisme n'est pas une fatalité. Et c'est une maladie. Alors, il faut la combattre. Alors, quelle stratégie mettre en place pour combattre si plus tu assistes? Comment faire? Tais-toi. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette séance. Alors, on va commencer les séances en présentant les nouveaux. Vous allez vous présenter, Olivier, Sylvie, puis Dieudonné qui nous a rejoint. On laisse tranquille, tout le monde est anonyme ici. Anonyme. Allez, à toi, Olivier, à toi. Bonjour. Il n'y a pas d'autre mot. Olivier d'Argelès, j'ai 37 ans, je suis prothésiste dentaire. J'ai deux mariés, deux enfants. Voilà. Alors, voilà mon problème. C'est pour ça que je suis là. Comment exprimer à mon niveau, je dirais que disons je fais une allergie moi complète, vraiment, mais si comment dire, tout ce qui est le chinois de Chine, de n'importe, moi c'est la tête de chinois, genre de pamplemousse là écrasé, avec les deux fentes là, genre fantomas, mais moi ça me fout les jetons depuis que je suis cher. En présence d'un chinois, je deviens un autre homme. Je me mets en position comme ça. Les poils, comme ça, je suis un prédateur, c'est le mot, un prédateur. C'est lui ou moi, il n'y aura pas de prisonnier, il le sent, le chinois. Parce qu'il n'est pas con, le chinois. C'est un arnaque, attention, c'est un arnaque. il se marre tout le temps. Non, mais c'est pour de faux, c'est... il se fout de ta gueule. Il le sait que... Pardon? Depuis tout petit. Ça m'a pris, moi j'avais 7 ans. J'ai fait une jaunisse, ça a commencé comme ça. Et après, bille en tête, je suis parti.
Ah, j'ai été jusqu'à intégrer des groupes paramilitaires hein, de défense des races non jaunes. Hein, ah, il y en a, ça existe, bien sûr. Hein. Ah, bah, tous les pays du monde. Tout, ah, de tout. Tous, ouais, c'est magnifique. Hein, c'est Australie, Québec, Afrique noire, tous unis contre le chinois. Vraiment, c'est ça. Ouais. Mais non, là, j'ai décidé de prendre mes licences parce que suite à une intervention, là, petite expédition punitive qu'on a fait dans le 13e arrondissement, là, quartier chinois de Paris, là, hein, bon, bah, c'est notre espace d'expression. Hein. On a attaqué une maternelle. C'est pour ça, voilà, c'est dégueulasse. Ah non, mais même moi, après coup, je me dis, c'est pour ça que j'ai décidé de. Non, parce que c'est pas ça. C'est ça n'a rien à voir. Ce qu'on pensait au départ. Avant de partir sur cette mission, on s'est dit, bon, ils sont 1 milliard. Hein. Les Chinois. Oui, 1,5 milliard, vas-y, me fous pour les jetons. C'est 1 milliard, déjà, c'est pas mal. Donc, si tu regardes bien, ils vont nous nicher. Donc, ce qu'on s'est dit, on va couper à la base. Alors, on ferme le robinet à la source, ouais, pour que ça se propage pas dans la France. Ah, voilà, mais le problème, c'est que ça vient d'ailleurs. Quoi. C'est ça. C'est... Non, mais moi, je décroche, là. J'ai décidé de passer à autre chose. Parce que quand je vois cette bouffe la vie, hein, à un moment donné. Ouais. Oh bon, bah, je fais des rechutes, hein, évidemment. La semaine dernière, c'était le nouvel an chinois. 100 000 Chinois dans la rue, il y a un copain qui m'appelle. Bon, bah là, c'est le strike, hein, il y a qu'à se baisser. Donc... Ouais, non, mais moi, je vais arrêter. Voilà, maintenant, place aux jeunes. J'ai envie de passer le relais. Non, mais c'était, là, je crois que c'est intéressant. Hein. Je crois, tu sais, c'est bouleversant, et en même temps, crois-moi, tu n'es pas tout seul. David, qui ici n'a pas défenestré, n'a pas massacré une race hostile. Alors, non, mais on reviendra sur les cas particuliers après. On va passer à Sylvie, qui est toute timide. Allez, Sylvie, Je m'appelle Sylvie Platinos. Voilà, j'ai 48 ans. Hein. Je suis infirmière spécialisée en gérontologie. Hein. Gérontologie, hein, c'est pas personne âgée. Je suis catholique pratiquante. Vous savez, j'ai prié Dieu chaque jour. Je n'en peux plus. Ah, je suis dépressée. Ah, je ne mange plus. Je ne me nourris plus. J'ai perdu 17 kilos en 3 jours. Donc, disons que non, je me sens envoûtée par une force incontrôlable. Une répulsion viscérale envers les Noirs. Les Noirs. Oui, pour moi, bon, dans mon esprit, bon, que les Noirs aillent vivre en Noirade à ce moment-là. Ou en Bambouli, voilà. Mais pas... Ah, ils me font peur. Je sors de chez moi, ils me font peur. Mais il y en a partout, dans le métro, de tout, de sous terre, on ne sait pas d'où ils viennent. Ce qui m'a décidé à venir, disons que ce qui m'a décidé, c'est que le nouveau curé de la paroisse est un noir. Donc Dieu m'a laissé tomber. Je dirais. Pardon? À l'hôpital, dans mon travail. Non, je suis dans un milieu professionnel qui est infesté de noirs. Le milieu hospitalier, donc. Moi, il n'y avait qu'un blanc, c'était le professeur Blumenthal, hein, bon, qui connaissait mon problème de négrophobie. Hein, et bon, il m'avait mis de côté. Ah, il me faisait des piqûres, toute la journée, des piqûres. Ah oui, je voyais tout vert. Tout le monde était vert, donc ça allait, je pouvais encore. Mais là, il a été remplacé récemment, et je vous le donne en 1000. Un malgache. Non, c'est pas noir. Si, mais il y a du noir dedans. Ah oui, dans le malgache. Oui, du chinois. Il y a de tout dans le malgache. Oui, c'est pour ça les gens les détestent. Hein. S'il m'est arrivé d'avoir des patients noirs, beaucoup. Ah, je les euthanasie tout de suite. Ah oui, monsieur, moi je ne le supporterai pas. Hein. Avec mes collègues, je ne peux pas communiquer. Ils viennent des Dom-Tom, hein, pour la plupart, anti-antillais, oui. Ah, toute la journée, ils parlent, je ne comprends rien. Puis ils dansent toute la journée. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Oh non, puis le pire aujourd'hui, c'est que je commence à avoir des répercussions physiques. C'est-à-dire, je ne sens plus.
Ils ont grillé tous mes sinus, hein, à cause des odeurs toxiques qu'ils émanent. Ah mon Dieu, quelle... Ah, une odeur. Oh, ce n'est plus une odeur, ça s'accroche. Des bains, trois douches, ça ne part pas. Même les vêtements, ah, je les jette. Je les jette. Ah non, mais même à 1000 degrés, ça ne part pas. Donc voilà, j'ai donc été hospitalisé, comme je vous le disais, dimanche, voilà, suite à la messe, hein, suite au choc que j'ai reçu. Ben, en découvrant le nouveau curé, voilà, venu du Gabon, hein, le père Nestor Mbilou. Mbilou, ben oui, Mbilou, j'aurais dû me douter quand même, Mbilou, bon. Et ben moi, je faisais ma messe, Jésus-Marie, Jésus-Marie, et à un moment donné, j'entends « Bonjour ma fille ». Je dis, tiens, c'est bizarre, une voix comme ça. Je me retourne. Ah ah, un noir énorme. Une tête énorme. On aurait dit un singe bonobo. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, bonobo? Enfin, c'est qui? Va-t'en. Ah oui, mais j'ai donné un coup de pied à bonobo, moi. Eh ben non, et là il m'a regardé, il dit non, je suis pas bonobo, je suis le père Mbilou, il m'a dit. Arrêt cardiaque, arrêt cardiaque. Le cœur n'a pas résisté. Ah non, je suis tombé dans un coma profond, très très profond. Ah, le plus profond possible, je voulais mourir. Je me souviens. Ah, ils ont tout essayé, ils ont essayé de me ranimer. Ah, tout, 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 tout. Quadruple pontage, transfusion sanguine, pose de stérilet, ils ont tout fait. Voilà, je ne voulais pas. Je voulais mourir. Je voulais mourir. Voilà, j'étais dans un long tunnel. J'avais de la lumière au bout. Je marchais. Derrière moi, il y avait le bonobo qui courait. Non, non, on ne rit pas, Olivier, on ne rit pas. Hein. Chacun aussi a le droit d'exprimer aussi son problème. Bon, j'ai envie de te tutoyer, j'ai envie de te dire, oui, mais attention, il faut inscrire, je crois, ta maladie dans un processus à long terme. Et toi, c'est pas en 2 mois, toi, c'est 10 ans, c'est 20 ans. Hein. Parce que, mais il ne faut pas désespérer. Et quand ça devient physique comme ça, c'est grave. Hein. Mais non, mais ça va aller, ça va aller. Mais tout le monde est passé. Tu sais, moi, ça m'a pris 5 ans. Moi, j'étais homophobe, philippophobe. Je ne supportais pas tout ce qui venait des Philippines. Je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, ben aujourd'hui, non, je vis avec un jeune philippin de 17 ans. Les gangs, hein, que j'ai acheté à Manille, pour le contrer. Et mon casse-croûte, que j'appelle. Non, mais on parlera de ça plus tard. Bon, on va finir avec Dieudonné. Détendez-vous, Dieudonné, vous êtes tout raide depuis le départ. Regardez. Eh bien, asseyez-vous, vous avez le... Ah, excusez-moi, je... Ah, je suis en crise. Non, je souffre des raideurs articulaires aiguës qui m'interdisent formellement toute tentative de pliage corporel. Quels que soient les coups tordus, je reste droit comme un i. Un peu d'humour n'a jamais fait de mal. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la haine pure, cristalline que vous avez déversée à mes oreilles. Et mon cœur s'est mis à palpiter. Hein? Un frisson vient caresser mon épine dorsale. Quant au phénomène qui nous préoccupe, hein, docteur. Je dirais que je souffre d'un racisme global. La race humaine sur Terre me répugne tout autant que le pus de l'abcès sur une tartine de pain d'épices. En vérité, je vous l'ai dit, le plus con des cafards, la plus vilaine des charognes, nous est supérieur en tout. La race humaine est le peuple élu de la fange et de la médiocrité. Le con. Le con.
comble du racisme étant celui envers l'humanité. C'est vrai, on y arrive. Hein. Avec toutes ces conneries de communautarisme, on y arrive. Hein. Chacun chez soi, à un moment donné, ça va être n'importe quoi. Hein. Pas une guerre ici-bas où les mecs sont pas en train de... Ça n'a aucun sens. Hein. Et les blancs, les noirs, les jaunes, les tachetés, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais bref, mais non, mais quand tu t'attaques au communautarisme, t'as toutes les communautés sur le dos. C'est pour ça que moi, je veux pas finir comme un apache. Hein. Attends. Hein. Un apache. Allez, c'est toi qui balances la bande son. T'as un apache. Je mets l'apache. Mais ici, il y en a peut-être des apaches, c'est marrant. Bon, d'accord. Bien donné. Comment toi-même tu viens réveiller l'esprit des anciens là, en chantant comme les Indiens? Mais toi-même, tu es indien de où là? Tu es un bantou, non? Non, vraiment. Bien donné, tu es ma descendance, mais quand je te vois, j'ai envie de pleurer. C'est la vérité. Tu es le gros balou là, tu es le nigo là. Je suis déjà fatigué. C'est-à-dire, toi-même, de nous. Tu veux changer le monde, mais tu vas même changer quoi? Maintenant, mais les blancs sont féroces. Tu bombes le torse face aux puissants, mais les gars vont te chicoter, malheureux. Toi-même, vraiment, et les blancs vont te jeter les machins, là. Les machins, là, ça vient péter, là, ça vient te piquer, là, les bombes atomiques, les mots, mais c'est dangereux. Tu sais, Dieu donné, Dieu donné. Quand les blancs sont venus au village... Non, mais comment? C'était dangereux. Les vieux, les anciens là, s'étaient réunis, ils ont regardé. Hein. C'est dangereux. C'est-à-dire, les blancs arrivaient dans le village, ils marchaient comme ça. Mais les enfants avaient peur. Ils regardaient, comment? Le nez pointu là, parce que ça faisait peur aux gars. Tu es un inconscient. Les blancs vont te chicoter, mon ami, vraiment. Tu dois pleurer seulement. Les blancs, tu sais, les blancs sont arrivés avec le bâton là, qui crache le feu là. Ils piquaient les gens. Les gens tombaient. C'est-à-dire, même les gros bagarreurs là, ils allaient pour bagarrer. Hein. Tu dors seulement. C'est-à-dire, moi-même, quand j'ai vu ça, hein, j'ai fui. Dans la forêt, j'ai couru, et deux jours même, j'ai couru. J'ai couru dans la forêt, deux jours. Mais jusque chez les Bassa, là, les mangeurs de lézards, j'ai dit là-bas, on va me laisser là. C'est-à-dire, le problème, un moment donné, j'ai croisé seulement le chemin. Là. Un blanc m'attendait, il m'a piqué. Mais il m'a piqué la jambe. Mais oui, la jambe refusait même de me suivre, quoi. La jambe restait là, elle ne voulait pas avancer. J'ai regardé, hein. J'ai dit, mais comment toi-même tu me trahis comme ça, là? Tu étais petit comme ça, je t'ai donné à manger, non? Maintenant tu me laisses là. La jambe a été quasiment à l'agonie, quoi. Le sang même commençait à sortir de la jambe. Mais oui, j'ai regardé le sang, j'ai dit, mais où tu vas? N'est-ce pas, c'est ta maison, non? Il faut rentrer dans la maison. Hein. Le sang, regardez, il est rentré. C'est-à-dire, j'ai resté comme ça, je te dis, le blanc gueulé. La tête rouge comme un cul de babouin. Je te dis, hein. Moi, je ne bougeais pas. Hein. Un, deux, trois soleils, je ne bouge pas. Tu vois, le blanc gueulé, yo. Je comprenais même quoi. J'ai donné la banane plantée. J'ai dit, le gars peut-être va manger. Non, il a jeté seulement. Je ne bougeais pas. Les blancs gueulaient. Les veines lui sautaient même de la tête. C'est-à-dire, le problème quoi. Le soleil cognait fort. Hein. Ça m'a sauvé quoi. C'est-à-dire, le blanc n'avait pas calculé quoi. Il gueulait. Et à un moment donné, il s'est cabré comme ça quoi.
Il a fait le petit bruit là. Et il est tombé comme ça, red mort. C'est-à-dire, Dieu donne, Dieu donne. C'est-à-dire, tu vois, cette histoire, hein, ça veut dire, tu dois laisser gueuler le blanc comme ça. À un moment donné, il va tomber red mort. C'est la vraie. Le problème que je vois là maintenant, quand je survole vraiment le village, c'est-à-dire ils ont coupé les forêts là. Non, non, mais ça c'est embêtant ça. Et vous allez même vous cacher où maintenant toi là? Ok, le nigo là. C'est-à-dire, Dieu donne. Tu dois écouter maintenant. C'est-à-dire, toi-même tu es à Paris là. S'il n'y a pas la forêt, c'est-à-dire tu dois trouver la forêt à l'intérieur même de ta carcasse. Comme tu es le nigo là, tu fermes les yeux hein, et tu vas de dedans là. Tu vas chercher le chemin de la forêt. Et tu vas aller danser dans cette forêt. Dieu donné, ferme tes yeux. Tu entends déjà la musique déjà là-bas. Dieu donné, va danser dans la forêt. Bienvenue dans ma forêt. Merci. J'espère qu'on... Merci. Et j'espère... Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Merci beaucoup, ça me touche. Ça me touche évidemment beaucoup cet accueil. C'est vrai, après toute cette polémique, je le disais, bienvenue, et j'espère qu'un jour on dansera tous ensemble dans cette forêt, les blancs, les noirs, les jaunes, les arabes, les juifs, les grecs, les musulmans. C'est ça le sens du travail en tout cas. Merci à tous et à très bientôt. Merci encore pour cet accueil. Ça me touche. Jackie, Laurent, Pierre-Yves, à bientôt, merci beaucoup. Ciao.